Hello, bon, je suis V depuis un petit moment, mais en fait, je regardais des stories et ça m'a pris 10 ans quoi. Donc là, je vais me mettre chasseur d'appart. J'ai fait mon petit déj comme d'hab et puis voilà. Salut Lily! Mais pas du bazar. Après, on va quand même dire oh Emma, ta chambre elle est en bazar et tout. Bon, on regarde les Pokémon. Et moi, je m'occupe de plein de trucs. Bon, j'ai pas trop vlogué avant. J'ai mangé tout ça et là, je suis encore en train de trier d'autres choses. Oui, parce qu'il y a toujours des trucs à trier. Je vais repasser l'aspirateur encore parce que quand tu tries des trucs, que tu scoutes à couette, bah, il y a toujours des saletés par terre. Puis à ce moment-là. Voilà. Donc je vais faire ça et j'aimerais bien ensuite vraiment faire les trucs pour le concours des 200 000 parce que on s'y approche rapidement et que j'ai énormément de choses à trier pour faire les lots et tout. Mais je sais pas si je commence à trier maintenant ou si j'attends d'avoir les gagnants. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va faire des sorts de swap, on va dire. Donc voilà. Mais je suis contente parce que ce matin du coup j'ai passé quasi la matinée à répondre à mes mails et là il m'en reste genre une quinzaine et il y a des trucs je réponds plus tard ou je laisse non lu. Donc franchement ça va, c'est cool, je suis contente parce que j'en avais vraiment plein. Bon, il y avait des trucs, c'était juste des pubs à supprimer, mais j'ai répondu à plein de choses. Il faut vraiment que je réponde au fur et à mesure, sinon en plus il y en a qui me disent que je fais trop de partenariats d'un coup. C'est parce qu'en fait je réponds à tout d'un coup, du coup je reçois tout d'un coup. Bref, faut aussi que je range mon linge propre qui se situe juste là, dans la bassine. Je bosse l'aspirateur, je meurs de chaud. Oui, du coup j'ai déplacé mon lit, il n'y avait plus l'araignée là. Mais il y en avait au-dessus, j'en ai marre d'avoir des nouvelles araignées tout le temps. Toujours elles viennent dans ma chambre, elles doivent se sentir bien ici. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout refaire mon lit, reposer correctement. Et puis voilà, mais par contre, chaleur quoi. Bon, j'ai mis mon haut de maillot parce que là j'en peux plus de la chaleur. Et en fait je viens de me rendre compte, je sais pas ce que j'ai dit dans le vlog d'hier, j'ai dit n'importe quoi. Ce produit qu'il y avait dans la Glossy Box, j'ai dit que c'était un nettoyant pour le visage, mais en fait pas du tout et je le sais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je me suis juste trompée. En fait c'est un nettoyant pour les pinceaux, vous mettez comme ça et vous frottez vos pinceaux dessus. Parce que moi je fais ça d'habitude à l'intérieur de ma, enfin sur la paume de ma main. Sauf qu'au bout d'un moment ça fait mal parce que tu frottes en fait. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit nettoyant pour le visage, je sais pas. Bon, j'étais dehors en train de lire, d'ailleurs j'ai fait une petite story Instagram. Il commence vraiment à faire chaud dehors, j'ai l'impression qu'il fait plus chaud que tout à l'heure. Il y avait un peu de vent et là du coup il en avait moins et fouf, chaleur en chaleur. Il va être 5h bientôt donc je vais aller... Oups, désolée, je te rattraperai plus tard. Je vais aller faire mon goûter, je sais pas trop quoi goûter. Je ne sais pas. Et je vous ai parlé là de la brosse pour nettoyer les pinceaux tout à l'heure. Et j'étais sûre du coup que j'allais avoir plein de remarques dans mon vlog. Puisque j'ai dit que c'était pour le visage. C'était un peu chiant d'avoir 10 000 commentaires. C'est pour les pinceaux, c'est pas pour le visage, c'est pour les pinceaux, c'est pas pour le visage. C'est bon, il y en a un qui le dit et c'est bon. Puis je le savais même avant mais... C'est un petit peu saoulant. Voilà. Je sais pas quoi faire comme goût. Ce qui fait chaud, mais en même temps, je sais pas, j'avais pas envie d'un kiwi. Je vais me faire des céréales au lait, je crois. C'est un peu triste, je viens de finir le paquet de céréales. Tristesse. Voilà. Et il y avait une... Genre les céréales étaient collées. J'ai voulu prendre une grosse boule de céréales et le truc, il a explosé. Du coup... genre j'ai ramassé les gros bouts, mais vous voyez qu'il y en a encore partout. Donc je vais balayer un petit peu. Bon, j'allais aller répondre les lettres quand ma soeur a reçu un message de mes parents qui veulent qu'on épluche des patates. Ils sont pas là, ils sont partis en vélo. Du coup, j'étais toute seule l'après-midi, Lou est rentrée il y a pas si longtemps. Donc, bah, au boulot. C'est quoi ces patates? Il y a plein de terre en plus. Bon, du coup, j'ai fini de manger. On a mangé assez tard parce que du coup, mes parents sont rentrés assez tard le temps que ça cuise et tout. Je suis floue, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va augmenter la luminosité, pas trop non plus. Du coup là je regarde Pokémon, j'ai mangé un petit flan caramel que ma maman a fait. Et il me reste un petit peu de mon chocolat. Bon du coup il y a une autre plaque au frigo hein, si vous vous souvenez de ce petit chocolat. Et je réponds toujours aux lettres. Donc je vais essayer de finir le petit tas qui me reste. Genre ça. Il y en a qui sont cachés entre donc on les voit pas trop. Pour l'instant il y en a que deux qui n'ont pas mis de timbre donc ça va. Enfin deux sur un,
Enfin non, ça va pas en fait parce que j'en ai répondu à 4. Ça fait 2 sur 6, c'est beaucoup quand même. Mais bref, les autres du coup je répondrai plus tard si elles s'entendent. Faudrait quand même que j'essaye d'y répondre demain parce que après je reprends les cours, ça va être compliqué de tout gérer tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Mais fais net, c'est mieux s'il te plaît. Aujourd'hui je suis désolée, j'ai pas fait grand chose. Et même ces derniers temps j'ai pas fait grand chose. Je profitais de mes vacances parce que demain c'est dimanche. Et lundi je reprends les cours à 8h30. Et j'ai pas encore vu mon emploi du temps, donc ce sera surprise. Donc voilà, je laisse et à demain.